They gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. C'est pas la peine de faire semblant, tout le monde a vu le titre de la vidéo. C'est pas faux. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième revue Paléo. Bon, à la base, cette vidéo devait être un autre épisode de Paléogie, mais la dernière vidéo m'a complètement épuisé et a aussi bien fatigué mon ordinateur, si bien qu'on avait besoin, lui et moi, de faire une pause. Et même si ça va mieux, je me sentais pas capable de refaire tout de suite un épisode de Paléogie. En plus, au mois de mars, j'ai réussi à trouver 3 articles scientifiques intéressants, donc je me suis dit pourquoi pas faire directement l'épisode 3 de la revue Paléo. En plus, je sais que c'est un format qui commence à être apprécié sur la chaîne. Donc c'est parti, lançons-nous pour le premier article de cette revue. Peut-être certains d'entre vous ont été intrigués par ce couple en sous-vêtements présent dans la miniature de la vidéo, avec en plus dans le titre les termes « sélection sexuelle » et influencé par vos bas instincts, vous avez cliqué sur la vidéo en espérant voir quelque chose, à moins que ce soit le reste de la miniature et du titre qui vous ait attiré. Chacun son truc après tout. En tout cas, on va bien parler d'attirance physique, de séduction, d'accouplement, mais chez les dinosaures. Ah bah oui, je vous rappelle que vous êtes sur une chaîne de paléontologie. Plus précisément, nous allons parler d'un article qui a étudié l'influence de la sélection sexuelle chez un groupe de dinosaures appelé les cératopsiens. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. C'était extrêmement bizarre. Vous les connaissez sûrement très bien, c'est le groupe où l'on trouve le tricératope, le protocératope ou le styracosaurus. Avant de vous parler de l'article en question, je vais commencer par vous introduire un peu le sujet. Ouais, vu que j'ai parlé de sexe avant, le terme introduire n'était pas le bon terme. Bref, vous le savez, les cératopsiens sont connus pour leurs cornes et leurs collerettes, qui peuvent être très variées en taille et en forme, certaines pouvant être parfois très élaborées, voire même complètement délirantes. Mais la fonction de ces jolies ornementations n'est pas flagrante, et les paléontologues se demandent toujours à quoi pouvait-elle bien servir. À se défendre contre les prédateurs, à marquer sa dominance au sein de ses congénères, à réguler sa température. Je veux savoir, montre-les-moi. Cependant, ces derniers temps, deux hypothèses semblent être privilégiées. Soit ces ornements permettaient aux espèces de se reconnaître les unes par rapport aux autres, soit ils ont été influencés par la sélection sexuelle. Mais alors, qu'est-ce que la sélection sexuelle ? La sélection sexuelle est un mécanisme de l'évolution des êtres vivants qui va conduire à une différenciation entre les individus mâles et les individus femelles d'une même espèce. Ces individus peuvent alors différer de par leur morphologie, leur plumage ou leur pilosité par exemple. La sélection sexuelle va agir sur ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. On appelle ces caractères ainsi car, à l'inverse des caractères sexuels primaires, c'est-à-dire des organes reproducteurs, en gros, pour être vulgaire, c'est la p*** et la p***. Pourquoi vous êtes censuré ? Veuillez m'excuser. Donc, à l'inverse des organes reproducteurs, les caractères sexuels secondaires ne participent pas à la reproduction, mais ils permettent quand même de distinguer les mâles et les femelles. Il peut s'agir par exemple de la taille, de la couleur, ou d'appendices situés sur le crâne, comme des cornes ou une collerette. On peut prendre comme exemple actuel très connu les cerfs avec les mâles qui possèdent des bois, alors que les femelles n'en ont pas. Et cette différence d'aspect entre les mâles et les femelles est appelée le dimorphisme sexuel, qui est donc le fruit de la sélection sexuelle. J'aurai l'occasion de développer plus en détail le fonctionnement de la sélection sexuelle dans une autre vidéo. Maintenant, pour en revenir à nos cératopsiens, eh bien, il est possible que l'élaboration de leurs cornes et de leurs collerettes ait été influencée par la sélection sexuelle. Le problème, c'est que c'est difficile de proposer la sélection sexuelle pour des espèces fossiles, car par rapport à des espèces actuelles, vous imaginez bien qu'il manque pas mal de données. En plus, chez les cératopsiens, les paléontologues n'ont pas réussi à mettre en évidence un dimorphisme sexuel flagrant. Par conséquent, l'hypothèse alternative proposée serait que les ornementations des cératopsiens permettaient la reconnaissance entre les espèces. Et on en arrive donc à notre article qui propose de tester cette hypothèse. Pour cela, il se base sur un échantillon de 46 espèces de cératopsiens pour lesquelles 350 caractères morphologiques ont été listés. Je vous laisse imaginer le boulot.
Ces caractères ont été rangés dans différentes catégories en fonction de leur influence plus ou moins forte sur l'apparence extérieure de l'animal. Par exemple, le développement du crâne par rapport au reste du corps influence fortement l'apparence de l'animal, alors que la forme des os de la patte beaucoup moins. Les scientifiques ont ensuite comparé deux à deux chacune des espèces. Pour cela, ils ont calculé un indice de différence qui se base sur le nombre de caractères différents entre les deux espèces. Et à chaque fois, ils ont déterminé au préalable si les deux espèces partageaient une même zone géographique à la même période. Si le rôle des cornes et des collerettes est bien la reconnaissance entre espèces, alors l'indice de différence devrait être plus fort pour les espèces qui se côtoyaient régulièrement. Mais ce n'est pas le cas. Les différences entre des espèces qui pouvaient se côtoyer sur un même territoire ne sont pas significativement plus élevées que des espèces isolées. Par conséquent, ce n'est pas la reconnaissance entre les espèces qui est le moteur de la diversité des cornes, des collerettes et autres ornements présents chez les cératopsiens. Il y a autre chose. Et on en revient donc à la sélection sexuelle. Pourtant, comme je l'ai dit, les paléontologues n'ont pas identifié de dimorphisme sexuel chez les cératopsiens. Mais des études basées sur des animaux actuels ont montré que si le mâle et la femelle se choisissent mutuellement, alors il peut y avoir sélection d'ornements similaires chez les deux sexes, et donc pas de dimorphisme sexuel. Ne dit-on pas, qui se ressemble, s'assemble. Bon là, avec l'aspect sexuel derrière, ça fait toujours une image drôle dans la tête. Mais passons au prochain article qui va en quelque sorte aborder l'étape se passant après la reproduction. Et oui, après l'accouplement, eh bien en général, quand tout se passe bien, on a le développement d'un embryon. En fonction des animaux, cet embryon va grandir soit dans un œuf, on parle alors de développement ovipare, soit dans le ventre de sa mère, là il s'agit d'un développement vivipare. La viviparité est présente chez pratiquement tous les mammifères, la seule exception notable étant bien sûr l'ornithorynque, le seul mammifère actuel qui pond des œufs, mais on reparlera de son cas un autre jour. Et de l'autre côté, l'oviparité se retrouve chez les reptiles, les oiseaux, les amphibiens, les poissons et les arthropodes. Cependant, il y a également des cas à part, comme par exemple certaines espèces de requins qui sont vivipares, pareil pour certains reptiles, notamment quelques groupes éteints comme les ichthyosaures, dont vous avez sûrement vu ce célèbre fossile montrant un spécimen en train de mettre bas, avec le petit sortant la queue la première, exactement de la même manière que les cétacés actuels. En fait, c'est une adaptation convergente à la vie aquatique qui a pour but de limiter les risques de noyade pendant la naissance. Il existe d'autres fossiles de mamans ichthyosaures préservés avec leur embryon. Bon, certains affirment que c'est un cas de cannibalisme, mais la position des petits ichthyosaures au sein du squelette de l'adulte ne suggère pas qu'ils sont au niveau de l'estomac. Le 4 avril 2018, une étude a décrit un autre fossile d'une espèce d'ichthyosaure qui semble contenir 6 à 8 embryons. Ce fossile a été découvert au Royaume-Uni, dans la région du Yorkshire, et date du début du Jurassique, il y a 180 millions d'années. Bien que, comme je vous l'ai dit, il existe d'autres fossiles d'ichthyosaures avec des embryons, celui-ci est le premier décrit dans cette région. Mais il faut noter que ce n'est sans doute pas le plus complet. Seule une partie des côtes de l'adulte sont reconnaissables, avec à proximité des fragments de colonnes vertébrales, plus ou moins complètes, qui ont été identifiés comme appartenant à des embryons. Et comme le squelette de l'adulte est incomplet, il est impossible de dire si oui ou non nous sommes au niveau de la région de l'estomac. Ouais, mais alors qu'est-ce qui permet aux paléontologues d'affirmer que ces morceaux de colonnes vertébrales sont bien les restes d'embryons en train de se développer, et non pas les restes d'un dernier repas? Bah déjà, 6 petits individus ont été identifiés, et il se pourrait qu'il y en ait 8, c'est vraiment très improbable qu'un adulte ait pu consommer en même temps au moins 6 bébés. C'est peut-être un adulte qui avait une grosse dalle. Ouais, mais les fragments de colonne vertébrale ne sont pas associés avec d'autres restes potentiels du contenu de l'estomac, comme par exemple des coquilles de céphalopodes dont se nourrissaient les ichthyosaures. Oui, mais s'il avait rien mangé depuis très longtemps, il avait sûrement l'estomac vide, et donc c'est normal que l'on trouve pas autre chose. Ok, mais les colonnes vertébrales ne présentent pas de dégâts physiques qui auraient pu être provoqués lorsqu'ils ont été attrapés puis broyés par les mâchoires de l'adulte. Tu sais, un peu genre comme ça. Bah, il les a peut-être gobés, les 6 petits. Bah oui, pourquoi pas. Admettons, dans ce cas-là, explique-moi pourquoi il n'y a pas de traces de corrosion qui aurait pu être causée par les sécrétions digestives. Ouais, mais 6 embryons pour un spécimen, c'est pas beaucoup ça? Non, il y a d'autres fossiles d'ichthyosaures avec un grand nombre d'embryons. On estime que ces animaux pouvaient avoir de 1 à 11 embryons. Donc 6, on est dans la fourchette. Ok, c'est bon, t'as gagné, je dis plus rien. Merci. Donc il semble bien qu'on ait affaire ici à un fossile d'une maman ichthyosaure avec quelques-uns de ses embryons préservés. Et même s'il n'apporte rien d'important, il a le mérite au moins de vous illustrer le raisonnement scientifique pour prouver qu'on ait bien affaire à des restes d'embryons. D'ailleurs, pas mal de revues et de sites scientifiques grand public en ont parlé. Et j'aimerais juste revenir sur l'un d'entre eux qui a utilisé un terme que je trouve pas vraiment approprié. Je vous ai dit que les ichthyosaures étaient donc un cas de reptiles vivipares.
et je dis bien vivipare. Sauf que cet article les qualifie d'ovovivipare. L'ovoviviparité est un mode de reproduction particulier qui, pour vulgariser, est un mélange entre la viviparité et l'oviparité, comme l'indique son nom. Pour vous donner des exemples d'animaux ovovivipares, on peut citer les raies, les orvets, certains gastéropodes ou les blattes. Bon appétit. Chez ces animaux, il y a des œufs, mais ils incubent et éclosent dans le ventre de la femelle et les réserves nutritives des embryons sont contenues dans les œufs. Il n'y a pas d'échange nutritif avec leur mère comme pour les animaux vivipares. Et pour les ichthyosaures, d'après ce que j'ai lu, que ce soit dans des articles scientifiques ou des revues grand public, on n'a aucune preuve que les petits incubaient dans des œufs ou n'avaient pas de lien nutritif avec leur mère. Dans tous ces documents, on emploie les termes d'animaux vivipares. Et donc, je ne sais pas où ce site est allé chercher que les ichthyosaures étaient ovovivipares. Bon, ok, là, je suis sûrement un peu tatillon au niveau de l'emploi de certains termes, surtout qu'il m'est aussi arrivé à moi d'utiliser de façon incorrecte certains mots. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que ça vous gêne vous aussi? En attendant, on va pouvoir passer au dernier article de cette revue. On va parler dans cette dernière partie d'une célèbre espèce de dinosaure. Le brachiosaure? Non, plus petit. Le tyrannosaure? Encore plus petit. Bon alors le vélociraptor? Non mais de toute façon je sais pas pourquoi tu t'embêtes à deviner, c'est écrit dans le titre, on va parler de l'archéoptéryx. Oui mais j'aime bien moi le vélociraptor. Oui mais l'archéoptéryx il est très bien aussi. Bon, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cet animal... Mais si, il doit bien en avoir quelques-uns. Eh bien il s'agit d'un petit dinosaure dont les fossiles montrent qu'il avait le corps recouvert de plumes comme les oiseaux actuels. D'ailleurs, archéoptéryx signifie vieille plume. J'ai déjà eu l'occasion de le présenter dans ma toute première vidéo, il a permis d'établir que nos oiseaux actuels sont les derniers représentants des dinosaures. Et donc sur toutes ces photos, vous pouvez voir des dinosaures. Oui, même sur celle-là. Mais pour en revenir à l'archéoptéryx, cette espèce est très importante pour comprendre l'évolution qui a mené d'une morphologie de dinosaures théropodes classiques à la morphologie des oiseaux. Et depuis longtemps, les paléontologues se demandent comment cet animal volait. D'ailleurs, peut-être qu'il ne volait pas, ou alors il planait juste un peu comme l'écureuil volant actuel, en s'élançant du sommet des arbres, ou aussi il pouvait pratiquer un vol similaire aux oiseaux actuels. Bref, beaucoup d'hypothèses ont été avancées, elles se basaient sur des caractères présents sur les squelettes des différents spécimens d'archéoptéryx. Une façon de savoir comment volait l'archéoptéryx serait d'étudier la structure interne des os de ses ailes, notamment l'humérus et l'ulna. Mais pour ça, il faudrait pratiquer une coupe dans ces os, ce qui implique de détruire un fossile. Et dans la mesure où il n'y a que 11 spécimens d'archéoptéryx connus dans le monde entier, autant vous dire que ça n'enchante pas trop les chercheurs. C'est comme si que vous alliez chez le médecin et qu'on vous disait « Ouais, bon, je sais pas trop pourquoi vous avez mal au ventre, mais bougez pas, je vais jeter un œil. » Non, en général, on vous envoie faire une radio ou un scanner. Et bien là, c'est un peu le même principe. L'idée, c'est de scanner les os de l'aile de l'archéoptéryx, puis de les reconstruire à l'aide d'un modèle informatique pour que les scientifiques puissent les étudier sous toutes les formes sans détruire le fossile. Pour scanner l'intérieur des os d'un fossile, on n'utilise pas un scanner médical ordinaire, mais un synchrotron. En gros, c'est un accélérateur de particules. Je parlerai plus en détail de comment fonctionne ce genre d'engin dans une autre vidéo. Pour ici, on va s'intéresser à un article publié le 13 mars 2018 qui présente pour la première fois les résultats de scans effectués sur les os des ailes de 3 spécimens d'archéoptéryx parmi les 11 existants. Ces scans ont été réalisés par l'ESCFR, l'installation européenne de rayonnement synchrotron, qui est l'un des 3 plus grands synchrotrons du monde. Et on peut faire un grand cocorico puisqu'il est situé en France, dans une région qui est plutôt réputée pour son fromage, son gratin, ses noix ou ses montagnes. Oui, il est situé à Grenoble. Alors, peut-on ajouter ça à nos spécialités locales? Bonne question. Et donc, c'est dans cette structure qu'ont été réalisés les scans des os d'Archéoptéryx. Et si vous voulez en savoir plus, le SFR a un compte sur le site Ecosciences Grenoble où ils ont posté un article parlant de cette étude. En plus des 3 spécimens d'Archéoptéryx, les scientifiques ont également scanné les os des membres d'autres animaux, comme des crocodiles, des dinosaures, des ptérosaures et différentes espèces d'oiseaux. L'idée étant d'avoir un échantillon varié de stratégies de locomotion pour voir si les formes volantes se distinguent des formes non volantes et ensuite de voir où va se classer l'archéoptéryx. L'étude s'est notamment focalisée sur des coupes transversales des os en comparant l'épaisseur de la paroi externe de l'os que l'on appelle l'os cortical. Je rappelle que ces coupes ont été faites sur des modèles numériques des os. A l'aide de l'épaisseur de ces parois, les chercheurs ont pu calculer un indice dit de résistance à la torsion. En gros, plus l'indice de torsion des os des ailes est grand, plus la capacité de l'animal à voler est grande. Les résultats montrent que l'archéoptéryx pouvait pratiquer le vol actif. Autrement dit, son vol ne se limitait pas seulement à planer à partir du sommet des arbres, il pouvait battre des ailes comme les oiseaux actuels.
Après, son squelette ne présente pas tous les caractères liés à l'adaptation au vol que l'on trouve chez les oiseaux. Par exemple, il n'a pas ce fameux bréchet très développé que vous pouvez voir ici sur ce squelette. Donc les scientifiques pensent que le vol battu de l'Archaeopteryx devait être différent de celui des oiseaux modernes. Mais à quoi pouvait-il bien ressembler exactement? Pour le moment, c'est difficile à dire. Comme je l'ai dit à chaque fin d'article, il faudra attendre d'autres analyses qui permettront d'en connaître plus. Voilà, cette troisième revue paléo est à présent terminée. Merci encore à vous de l'avoir suivi. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker l'épisode, à le partager et à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux où j'essaye de vous tenir au courant de l'avancement des prochaines vidéos. D'ailleurs, cette semaine sur Twitter, j'ai été aux commandes du compte Comme Ci Comme Ça où les abonnés du compte ont pu suivre un peu plus en détail comment je crée une vidéo. Si vous ne connaissez pas encore Comme Ci Comme Ça, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil, c'est vraiment génial. En fait, le principe, c'est que chaque semaine, un passeur ou une passeuse de science prend les commandes du compte et parle de sa passion pour les sciences, pour la vulgarisation, etc. etc. Il me reste plus à vous dire qu'on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus. Oh, you touch my tra-la-la.